Bonsoir à tous. Alors, continuons sur cette série. Les déclarations de flamme. Les déclarations de flamme, vous ne pouvez pas les faire comme ça. Donc, là, on a parlé du cas. Excusez-moi, j'ai un petit problème de batterie. Alors, les déclarations de flamme, vous ne pouvez pas les faire dans le cas où c'est une rencontre dans la rue, c'est une rencontre sur un site internet. Non. Vous déclarez votre flamme à quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Chacun a besoin d'un certain temps pour voir fleurir ses sentiments. Moi, j'ai la base du 6 mois. Vous commencez à déclarer une flamme à quelqu'un. Parce qu'en 6 mois, il y a forcément pensé. 3 mois, pas sûr. 6 mois, c'est sûr. Les années, c'est mieux. Donc, la plupart du temps, on déclare sa flamme à quelqu'un qu'on voit régulièrement. Alors là, par contre, je veux dire le contraire des sites de rencontre. Quelqu'un que vous voyez régulièrement sur un site de rencontre et que vous avez envie de rencontrer, vous pouvez. Ça, c'est le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un que vous voyez régulièrement sur un site de rencontre et que vous connaissez bien sur le site de rencontre, vous pouvez le rencontrer. C'est possible, il faut donner rendez-vous. Alors, bon, pour le site de rencontre, donnez rendez-vous dans Internet. Rencontre dans la rue, dans l'hypothèse, vous êtes vu plusieurs fois, depuis certains temps. Et pour les autres, alors là, ça peut être n'importe quel endroit. Évitez travail, voisinage. C'est tout. Même un club libertin, c'est mieux que travail et voisinage. Parce que collègues, voisins, si vous n'allez pas bien avec, ça se passe mal, vous les avez pour collègues et pour voisins pendant un certain temps. Et si vous avez pu, vous ne pouvez plus les voir en peinture, c'est problématique. Donc le mieux pour l'instant, quand vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, c'est de le faire avec quelqu'un que vous connaissez bien, et depuis au moins 6 mois. Donc, peu importe le lieu de rencontre, ça n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est que vous l'avez expérimenté et que vous la connaissez. Vous savez donc si elle est disponible et si elle ne l'est pas. Vous savez donc si elle cherche du sérieux ou si elle n'en cherche pas. Vous savez donc si elle cherche du sexe ou si elle n'en cherche pas. Vous savez donc si elle est hétéro, homo, bi. Vous savez des choses sur elle. Donc, vous pouvez ou non déclarer votre flamme. C'est ce qui est nécessaire. C'est pour ça que je vous demande 6 mois.